Bonjour, vous êtes au Flocon de Sel, dans ma maison à Megève. Une maison d'altitude, 1300 mètres, au cœur des prés. Et ensemble, on va préparer un biscuit de lotte et brochet, pêche d'Éric Jacquier, des poissons du lac juste pêchés ce matin. Voilà. On va réaliser une mousse de brochet qu'on va cuire avec le coq tura à basse température, accompagnée d'un jus d'oignon avec du lierre terrestre. Donc les premières choses, c'est qu'on va lever les poissons et puis on va faire la mousse de poisson avant de le mettre à cuire. Alors on a levé les filets, maintenant on va réaliser la mousse de poisson. L'avantage du mélange entre la lotte et le brochet, c'est qu'on va avoir tout le goût de la lotte du lac et on va avoir toute la texture, tout le collagène du brochet qui va donner de la texture et la force sur l'esprit d'une quenelle, mais beaucoup plus légère. Et on va la beurrer, on va la crémer au maximum jusqu'à la limite pour qu'elle soit vraiment, que ce soit vraiment entre le... que ce soit juste quasiment un flan qui puisse se manger à la cuillère très très léger, avec zéro farine. Pour bien faire la cuve très très froide, on l'a mise au frais, pour justement faire sortir le collagène, pour pouvoir mettre le moins possible d'œuf et surtout zéro farine. Alors en premier on va ajouter l'assaisonnement. Une fois le collagène sorti, on va pouvoir rajouter les œufs, la crème, un petit peu de beurre et ensuite passer la mousse au tamis pour qu'elle soit très fine. Maintenant, on va passer la mousse au tamis. Parce que le brochet à la lotte, il y a toujours des petites arêtes. Et avant de tout mettre à cuire, on va quand même faire un petit essai de mousse à pocher. Alors pour avoir la texture de... Je me répète, mais la lotte a très peu de collagène par rapport au brochet, et grâce à la lotte on va avoir un moelleux qui va être important, c'est-à-dire qu'on met environ deux tiers de brochet pour un tiers de lotte. Ensuite, on va la mettre en cadre et on va la cuire à 85 degrés. Voilà. Et maintenant, on va cuire ça à basse température dans le coq tura 20 minutes. Alors, une fois la mousse cuite, on l'a mis en cellule de refroidissement. On l'a laissé bien refroidir, qu'elle soit vraiment redescendue à température bien fraîche. Et on en a taillé des rectangles. Et ensuite, on les pose sous une fine tranche de pain.
fais une tranche de pain pour amener du croustillant. Et pendant ce temps-là, pendant la cuisson, on a démarré un jus d'oignon qui va nous servir pour notre base de sauce pour accompagner le biscuit de l'hôte. Alors c'est un peu des sauces qui évoluent avec les saisons. C'est-à-dire qu'on va aller sur des bases d'oignons, des bases de crustacés. C'est un peu un classique de la maison, mais on utilise ou des sauces plus liquides ou plus capiteuses, selon un petit peu la météo et puis surtout l'envie, ce qu'on trouve comme plante dans le jardin et dans les bois. Et maintenant, on va remettre nos biscuits de brochet et l'autre pareil, et ils vont remonter à température. On laisse à 85 et dès l'instant où à cœur ils vont être à 60 degrés, on va pouvoir le servir et faire le dressage. Et alors maintenant, on va réaliser la sauce pendant que la mousse de poisson remonte à température. Voilà, c'est vrai que l'avantage de ce type de température, ça va être une température statique très précise, au degré près. Et puis, surtout, une chose qui me tient à cœur, c'est que, avant tout, c'est une fabrication française. Et c'est vrai que j'y tiens absolument pour avoir des entreprises dynamiques et puis fabriquer en France. Donc, c'est bien d'avoir développé un outil de précision pour nous aider dans notre vie de cuisinier de tous les jours. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses, c'est qu'on va faire le dressage, la sauce. Et vraiment, ce qui nous intéresse, c'est pouvoir goûter. Alors, hop, notre jus d'oignon. Alors, le jus d'oignon, on a juste caramélisé les oignons avec du beurre. Avant de mouiller au bouillon de légumes, on a ajouté une petite pointe de sucre pour vraiment bien caraméliser. C'est ni plus ni moins une soupe à l'oignon, mais c'est surtout pour être sur le côté très légumes et puis après avoir le côté capiteux. Alors ça fait une sauce qui est assez douce. Et ensuite on va rajouter de l'acidité avec la mélisse et le lierre terrestre pour que, en plus d'avoir le côté doucereux capiteux, on a un côté acide. Et aussi un côté amer avec l'huile terrestre. Donc j'aime jouer avec les textures pour avoir quelque chose qui renvoie sur les goûts et pas avoir une recette qui soit linéaire, mais justement avoir une recette avec du relief. On met un petit peu de beurre. Alors faut être généreux. Alors j'aime les infusions avec beaucoup de produits et très rapide. C'est-à-dire que j'aime pas les infusions longues, mais par contre j'aime les infusions avec beaucoup de produits. Juste pour récupérer ce qu'on a envie. Ça veut dire récupérer tout ce qui est le côté qualitatif de la mélisse, le côté qualitatif du lierre terrestre qui développe les arômes au début de l'infusion. Après on va avoir toutes les amertumes. Alors c'est important de faire. Mais c'est une généralité pour beaucoup d'infusions. C'est-à-dire que c'est des infusions avec beaucoup d'herbes ou beaucoup d'épices, mais des infusions très très rapides. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas la mélisse devenir noire. Parce qu'une fois que la mélisse va changer de couleur, au lieu de donner tout ce qui est délicat et élégant, on va avoir tout ce qui est amertume et tout ce qu'on ne veut pas. Ça aura le goût de mélisse, mais pas la délicatesse. Bon, on a la chance d'avoir des champs de mélisse où on n'est pas en rupture pour en avoir. C'est vrai qu'on peut en cueillir, on en plante toujours plus que ce qu'il nous en faut. C'est bon. Donc là, vous avez vu, la fusion, c'est quand même assez rapide. Et on a toute la fraîcheur de la mélisse.
Donc ça, on fait une recette de base et avant chaque envoi pour nos clients, on rajoute de la mélisse en petite quantité pour justement avoir cette fraîcheur. Le secret des plantes, c'est surtout de regoûter à chaque fois parce que même en passant, la plante continue à travailler. C'est l'avantage d'avoir des outils de précision sur les degrés. Ça nous permet de nous concentrer sur les goûts de nos sauces, de nos produits. On est sûr que la température de la machine va rester régulière. On va passer maintenant au dressage. Il est revenu à température et là il est très très fragile. Ensuite, on a cuit dans notre jus d'oignon des billes de tapioca. Ça va nous permettre d'avoir le côté capiteux, d'avoir une mousse très légère, le croustillant de pain. Et maintenant, on va ajouter tout le côté, le jeu des goûts qui va aller avec le biscuit. On émulsionne. Mais j'aime la sauce, surtout quand elle est bonne, il faut qu'il y ait du jus. Il faut que ce soit gourmand. Et dessus, on va rajouter quelques petites billes de farine, des petits beignets de farine tout simplement. Et un petit rappel, hop, pour terminer, le lierre terrestre. Et hop, et on va goûter maintenant.